donc voilà, je vous fais une petite vidéo en direct du boulot. C'est vrai que vous avez été quelques-uns d'entre vous à me demander une vidéo au boulot. Alors c'est vrai que c'est pas évident parce que bah, comme vous le savez je travaille la nuit, donc bah, pour vous faire une vidéo c'est pas toujours simple, mais voilà, je vous fais quand même une petite vidéo comme ça en direct de la route. Bon, après voilà, vous verrez malheureusement que la route, hein, en roulant c'est compliqué de faire des vidéos, sachant que bien sûr que quand on roule le téléphone est interdit, donc voilà, je vous fais quand même une petite vidéo bah, en direct de la route. Donc là on va direction il est 2h30 du matin. Je suis parti, ça fait 20 minutes que je suis parti. Et là je vais direction, pour ceux qui connaissent, je vais direction Besançon. Besançon dans le Doubs. Donc là on a 5. J'ai 5 clients livrés là-haut. 5 clients du côté de Besançon. Ensuite on remonte du côté de la Franche-Comté. Donc là il y a 1h30 de route pour aller jusqu'à Besançon. Et ensuite on a un dernier client. Bah, j'ai un dernier client du côté de la Franche-Comté. Et après on rentre bien sûr. On rentre après il y a 2h. Il y a un peu plus de 2h pour rentrer. Il y a 2h. 2h15 pour rentrer, donc voilà pour un peu vous expliquer un peu ce que je fais au niveau de mon travail. Donc voilà, moi je livre, en gros je livre, voilà, je suis chauffeur routier, hein. Je pense que ça se voit, je livre des magasins, je livre des magasins en produits frais, surgelé. Donc je suis en camion frigorifique, camion frigorifique 26 tonnes, et puis voilà, c'est à peu près tout. Alors j'espère que vous m'entendez bien, parce que bien sûr je filme avec le téléphone, donc j'espère que vous m'entendez bien avec le micro du téléphone. Après, la vidéo sera pas très très longue. Je vous fais une petite vidéo de 5-10 minutes, pas plus. Juste voilà, pour être un petit peu avec vous et voilà, vous montrer un petit peu mon quotidien la nuit. Et c'est vrai que vous avez été quelques-uns à me demander de faire une vidéo au travail. Donc voilà, j'essaye malheureusement de faire. Au mieux. Donc voilà, bon, l'avantage de travailler la nuit c'est, bah, comme vous voyez, il n'y a personne sur les routes, donc c'est vrai que la nuit sur les routes on est tranquille, c'est le côté positif. Après le côté négatif, bah, c'est des horaires assez compliqués, hein. Là voilà, je suis parti à 2h du matin, je vais rentrer vers 11h du matin. Donc là, bon, ça va, là, c'est une petite journée par rapport à d'habitude. 11h du matin, rentrer, c'est bien. D'habitude, c'est plus du midi, voire 13h. Donc, ouais, là, mais voilà, c'est le côté négatif, un petit peu le côté contraignant du métier, c'est les horaires. Je fais quand même 12 heures par jour. 12 heures par jour, 5 à 600 km par jour. Donc là, bon, ben, voilà, c'est des horaires pas toujours faciles, mais bon. Donc là, vous voyez, ça monte un petit peu, ben, on n'avance plus. Là, on est dans une côte, ça monte quand même pas mal. Vu qu'on est chargé, on est quand même.
là je suis quand même bien chargé, là on est. Je suis presque chargé complet, donc on a un petit peu de poids au niveau du camion, donc là dès que ça monte, et ben on a un petit peu de. Le camion a un petit peu de mal, hein, c'est normal. Donc voilà, je vais profiter d'ailleurs pour vous remercier voilà, pour tous vos retours sur la série. La série ma ferme anglaise qui vous plaît plutôt bien. Et donc écoutez les gars, ça me fait plaisir, merci à tous. Série qui vous plaît beaucoup. Donc on se retrouvera dimanche pour le prochain épisode. Voilà, parce que là c'est pas. Après voilà, la semaine c'est compliqué pour moi de vous faire des vidéos hein, avec les horaires, les horaires de travail, c'est pas toujours facile. Voilà, je vous fais. Il y aura un épisode, comme d'habitude, dimanche, troisième épisode. Donc voilà, série qui vous plaît beaucoup. Donc voilà, ça me fait plaisir. Un grand merci à tous pour tous vos retours. J'ai toujours de bons retours sur la série. Donc voilà, merci à tous ceux qui mettent qui regardent les vidéos, qui mettent des pouces bleus. Qui mettent des commentaires. Merci à tous. Et puis voilà, je vais arrêter de parler un petit peu. Je vais vous laisser un petit peu avec. Je coupe pas la vidéo tout de suite, je vous laisse un petit peu avec les images de la route, voilà, même si c'est pas très très intéressant la nuit. Il n'y a pas grand monde sur la route. Je vous laisse quand même avec. Un petit peu de vidéo avec la route et puis voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et puis on se retrouve bien sûr ce week-end pour un nouvel épisode sur la série Ma Ferme Anglaise. Allez, bonne journée les gars.
beau radar à droite là. Il est pas beau ce petit radar là. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire. Attendez, il y a une voiture qui nous. N'hésitez pas à me dire non plus si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre-là. J'essaierai de vous en faire d'autres. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si ça vous plaît. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos au travail comme ça, en direct sur la route. Un petit peu plus travaillé, bien évidemment. Avec le téléphone, donc j'essaierai de vous faire ça un peu plus propre. Si vous en voulez d'autres, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si ça vous plaît. Et si vous en voulez d'autres, bien sûr je vous en ferai d'autres, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous laisse là les gars, moi je continue bien évidemment je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui travaillent de nuit ou une bonne nuit, voilà, ça dépend quoi. Bonne nuit ou une bonne journée pour ceux qui travaillent de nuit, et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis voilà, donc je vous laisse là les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.